Depuis la réunion que vous aviez refusé de tenir en décembre dernier avec les habitants de CDC Habitat, essentiellement le quartier de Boyenval, et que j'avais donc organisé avec Beaumont en commun, les témoignages choquants se multiplient sur les conditions de vie très dégradées des habitants et des habitantes de ce quartier et le comportement malhonnête, je persiste à le dire, du bailleur social. Des enfants font de l'asthme, tombent malades parce qu'ils vivent dans le froid, la poussière ou l'humidité. Les parties communes ne sont pas nettoyées, les éclairages manquent, les habitants n'ont toujours pas de local mis à leur disposition pour se réunir, notamment les jeunes, et contrairement à l'obligation légale qui le prévoit. Les réparations dans les appartements ou à l'extérieur ne sont pas faites ou faites après des mois et jamais correctement. Les gens payent des charges indues pour des services qu'ils n'ont pas. Et rien de tout cela n'est nouveau puisque la situation perdure depuis des années. De telles conditions sont caractéristiques de logements insalubres. Une insalubrité temporaire, remédiable, mais une insalubrité quand même. Nous vous avons demandé d'intervenir, comme vous le devez en tant que maire, car au nombre de vos missions, il y a la lutte contre les logements insalubres. Vous avez fait la promesse d'une réunion avec les habitantes et leur bailleur social, qui aurait dû se tenir en janvier. Promesse non tenue. Nous vous avons demandé par écrit de faire intervenir vos agents spécialisés pour mesurer de manière fiable les températures et les taux d'humidité dans les appartements. Vous n'avez même pas répondu. Pouvez-vous dire aux Beaumontois et aux Beaumontoises ce que vous faites ou ne voulez pas faire pour nos concitoyens de Boyenval ? Merci, Monsieur Renaud. Madame Mortagne, s'il vous plaît. Alors, de façon générale, concernant les problèmes rencontrés par certains habitants du parc social, nous essayons d'y travailler sur le fond et de régler leurs problèmes. Donc, comme je vous les ai déjà dit, on ne partage pas la méthode et je ne partagerai jamais votre point de vue que des posts sur les réseaux sociaux contribuent à améliorer la situation. Je n'ai jamais vu une fuite d'eau réglée grâce à la lac sur Facebook. Nous sommes en contact avec les bailleurs, nous les avons rencontrés, nous leur avons fait par des remontées des habitants et plusieurs autres rencontres seront prévues et sont déjà prévues. Parallèlement, nous traitons également des situations urgentes directement en lien avec les habitants qui viennent nous consulter au CCAS avec des prises de rendez-vous. Et les bailleurs, et pour être utile, n'hésitez pas, si vous avez connaissance de situations qui sont effectivement catastrophiques, à orienter les habitants directement vers le service logement s'ils n'ont pas des réponses de leur bailleur. Je pense que c'est certainement la solution la plus efficace. Merci. Merci Madame Mortagne. Question suivante, Monsieur Renaud. Donc écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous dira comment vous en passer.